Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé du H5, un casque sans fil à réduction de bruit active de la marque Empo. Allez, c'est parti! Le Empo H5 est un casque Bluetooth circumoral, trouvable à moins de 50 euros sur les sites de vente en ligne français. C'est parmi les casques les moins chers que l'on peut trouver avec de la réduction de bruit active. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis les liens pour le trouver en description de la vidéo. N'hésitez pas à les utiliser, ça ne vous coûte pas plus cher et ça vous permet de soutenir la chaîne et le blog. On va déjà analyser le packaging de ce Empo H5. Donc on a une boîte classique, rectangulaire, pas de fioritures à ce niveau-là. Donc on voit bien le casque qui nous intéresse, modèle H5, wireless headset. À l'intérieur, parce que c'est ce qui nous intéresse, on a donc le casque. Donc déjà on peut voir que c'est assez simple. Le casque il est rangé dans un petit sachet plastique. Donc il n'y a pas énormément d'efforts qui ont été faits au niveau du packaging. Faut pas qu'on oublie, on est sur un casque vraiment très peu cher. Donc on va voir ça de plus près. On va sortir le casque, on va le mettre de côté et on va regarder un peu à l'intérieur ce qu'il y a encore. Donc on a un premier câble, c'est le câble USB. Donc d'un côté USB, de l'autre côté micro USB, comme pour un smartphone. Donc ça c'est pour recharger le casque. Ensuite, on a encore un câble, donc le câble audio, le câble jack. Ça c'est pour le brancher sur un appareil audio quand on ne veut pas utiliser le Bluetooth. Tout simplement, ou quand on n'a plus de batterie, quand il nous reste plus beaucoup de batterie. Ensuite, on a du livret par-ci par-là, un livret, une petite carte d'avertissement, encore une petite carte pour expliquer comment le connecter, et on a un rangement, donc une petite housse de transport. Encore une fois, c'est simple, c'est souple, ça a l'air résistant quand même. Au toucher, c'est agréable, c'est sympathique d'en avoir mis une d'ailleurs. Mais c'est pas grand-chose non plus. Faut pas exagérer. Donc au niveau du packaging, c'est complet. On a tout ce qu'il nous faut, le casque, les câbles, la housse de transport. Après la boîte, c'est une boîte simple. C'est une boîte qu'on va sûrement jeter par la suite. On n'est pas sur une boîte avec des fermetures éclair ou quoi que ce soit. Donc pour un appareil à ce prix-là, faut pas s'attendre à beaucoup mieux à ce niveau-là. Alors on va analyser un peu plus le casque de plus près. Donc il se présente comme ceci. On va dire qu'il y a trois parties. Les deux côtés qui sont pliables, avec les écouteurs de chaque côté. Donc ça a l'air confortable comme ça. Ici on a de la mousse aussi, on a de la mousse sur les côtés. C'est quand même assez bien fait je trouve, on dirait pas qu'on est sur un appareil bas de gamme. Ça reste souple, ça a l'air solide malgré tout. Alors j'apprécie franchement le design général, ça fait assez classe. Alors au-dessus le noir il est mat, par contre sur les côtés le noir il est un peu plus brillant ici. On a des parties plus brillantes de ci, de là, ici aussi sur le côté. Comme sur les oreillettes. Sur les côtés aussi, ça fait un peu un effet miroir. Donc c'est un miroir déformant, on va pas pouvoir se recoiffer dedans, bien sûr, faut pas exagérer. Mais ça rend plutôt très bien. Alors, je remarque directement, ça prend les traces de doigts. Je sais pas si vous les voyez vous-même à l'écran, mais il y a des marques. Mais bon, ça reste joli. Et pour du bas de gamme, franchement, c'est super design. Donc on peut bouger les oreillettes comme ça. Alors c'est assez souple de ce côté. C'est un peu moins souple de ce côté-là. Je sais pas pourquoi. Et donc ici, on peut les refermer comme ça. Et après, on peut les mettre dans le sac de transport. Comme ceci. On va tester ça quand même. Et une fois que c'est là-dedans, ça va moins s'abîmer. Ça va pas prendre la poussière. Ça va pas abîmer les couleurs. Ça va pas abîmer la peinture. Sur les petits chocs, ça va aider à garder l'appareil en vie. Après, sur les gros chocs, si on fait tomber ça de haut ou que c'est jeté, c'est pas ce petit sac qui va protéger l'appareil. Mais comme ça, pour le transporter, ça fait largement l'affaire. Donc ensuite, au niveau bouton et connectique, donc on voit ici le bouton pour la réduction de bruit, ANC. Donc là, c'est désactivé. Là, c'est activé et on voit un petit voyant vert. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Donc si on active la réduction de bruit, ça atténue les bruits avoisinants. On verra ça plus longuement dans le test. Et si c'est désactivé, c'est du classique. Ici, on a le port jack. De l'autre côté, on a plusieurs boutons. Bouton plus, bouton moins. Donc déjà pour le volume, sûrement. Après, on verra si ça a d'autres fonctions pendant le test. Le bouton Bluetooth au milieu. Donc là, il y a un petit trou, c'est le micro.
Et donc là, il y a la prise USB. Donc pour le charger. Et donc une fois qu'on le met en charge, il y a le voyant qui s'allume selon toute vraisemblance. J'ai donc testé ce casque de toutes les manières possibles, en mode Bluetooth avec de la réduction de bruit désactivée et activée, et en mode filaire avec l'ANC désactivé et activé. Je vais commencer par un mot sur l'autonomie. On est sur un casque qui tient aux alentours des 16 heures en utilisation. Après, cela dépend fortement de la manière dont on l'utilise et du volume sonore. Ça peut être un peu plus comme un peu moins. Il lui faut en tout cas 2 heures pour être chargé entièrement. Donc niveau autonomie, le MPOH5 est plutôt correct. Au niveau de la qualité sonore, en mode Bluetooth avec l'ANC désactivé, le son est clairement décevant. Il est étouffé, semble lointain et est relativement plat. Pas très emballant donc. Lorsque l'on active l'ANC, on se rend compte rapidement que l'on est clairement sur une réduction de bruit d'entrée de gamme, avec un niveau de réduction assez bas, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas ou que ce soit pérave. La réduction de bruit fonctionne bien, mais elle est moins impressionnante que ce que l'on peut trouver sur du matos plus haut de gamme. Les graves sont atténués, notamment le bruit sourd que l'on peut avoir généralement avec un casque, ou les bruits de moteur en ville ou même chez soi. Par contre, du côté des voix, il y a très peu, voire pas du tout de différence. Ce MPOH5 n'est pas trop adapté pour les personnes qui aiment bien utiliser la réduction de bruit sans écouter de musique, juste pour être coupé du monde pour de la lecture, étant donné le niveau de réduction assez bas. Avec la réduction de bruit active, par contre, comme bien souvent, la qualité sonore est meilleure, et même vraiment très bonne pour le coup. Le son est clair, assez équilibré, mais les basses sont quand même percutantes. Les médiums ne sont pas en reste et sont convaincants. Enfin, les aigus m'ont paru un peu moins bons que le reste, mais restent corrects. La qualité sonore globale est supérieure à ce qu'on peut trouver généralement à ce prix-là, et est plutôt à rapprocher des casques de la gamme supérieure. Étant donné que la réduction de bruit n'a pas une énorme incidence sur la durée de vie de la batterie, autant se servir du casque avec l'ANC activé, sans se prendre la tête. En mode filaire, avec l'ANC désactivé, le son, sans être extraordinaire, est quand même de bien meilleure qualité qu'en Bluetooth avec l'ANC désactivé. Avec la réduction de bruit activée, ce qui était valable en mode Bluetooth est toujours valable en mode filaire. Le casque est équipé de plusieurs boutons, un peu trop fins et trop rapprochés pour des grosses mains, et qui donnent accès à certaines fonctionnalités basiques. Les boutons plus et moins permettent d'augmenter ou baisser le volume lors d'un appui court, et de passer à la piste audio ou vidéo suivante, ou reculer d'une piste lors d'un appui long. Le bouton Bluetooth permet le contrôle de la lecture et de la pause lors d'un appui court, et active l'assistant vocal du smartphone lors d'un appui un peu plus long. Le micro n'est pas de super bonne qualité, cela reste convenable pour passer des appels courts dans lesquels on comprendra parfaitement son interlocuteur, mais la mauvaise qualité du son ne donne pas envie de passer des appels plus longs. J'ai trouvé le casque confortable. Je n'ai pas eu de mal de crâne, c'est un bon point. Mais je pense qu'au vu de ses oreillettes, il n'est pas trop adapté pour les personnes qui ont de très grandes oreilles. Donc c'est un paramètre à prendre en compte. En conclusion, le MPOH5 est un casque de qualité, design avec une bonne qualité sonore et une autonomie correcte. Par contre, la réduction de bruit, bien que présente, reste assez faible, bien qu'utile sur certains bruits de la ville comme les bruits de moteur. Alors voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez une idée de casque ou d'écouteur à tester, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez déjà ce casque, n'hésitez pas à donner votre avis, ça peut être intéressant. Sur ce, n'hésitez pas à voir mes autres tests de casques, j'en ai plusieurs. N'hésitez pas à partager cette vidéo en masse. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao!